jingle. Bonsoir la famille, yes, aïe, alors incroyable, je vous découvre ici en concert ce soir. On est Papa Mama Rasta Family en concert. Alors, je découvre des danseurs qui viennent d'arriver de Jamaïque. Un petit interview avec le Papa Rasta Show, c'est génial. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites en Jamaïque ? Bonsoir Papa Rasta, bonsoir à tous. Je m'appelle Milana, oui. Je suis chorégraphe et directrice artistique et mon mari Tristan. Et on travaille en Jamaïque depuis 2009. Oui, alors je m'excuse, j'aurais dû commencer par vous présenter. Mais comme c'est une interview un peu improvisée, exactement, comme toutes les interviews du Papa Rasta Show, tu as très bien fait, Milana. Yes, sir. Yes, sir. Alors, qu'est-ce que tu nous fais en Jamaïque ? Alors, si tu veux, moi, je suis partie en 2009, je suis tombée amoureuse de cette île-là. J'étais déjà danseuse et j'ai voulu me spécialiser donc, en dancehall. Donc, le pays la Jamaïque, c'est le berceau, comme le reggae. Et par la suite, je suis devenue la chorégraphe de Tommy Lee Sparta. Donc depuis 2015, je suis la chorégraphe de Tommy Lee Sparta et je pars en équipe avec mon crew. On a aussi été classé numéro 1 en Jamaïque en 2016 et numéro 2 en 2017 sur un festival qui s'appelle le JCDC à Kingston. Et bien ça, c'est génial. Et tu croises la grande famille Rasta française. Exactement. En France. Mais c'est extraordinaire. Destin, papa. Ah oui, c'est le destin. Alors nous, c'est un grand plaisir de voir les jeunes rester dans le mouvement du reggae, parce que ça permet aussi à toute une nouvelle génération, avec la famille Marley qui est arrivée maintenant, avec Chronix, avec tous ces grands artistes de reggae. Et nous, de loin, bon, nous, tu sais, nous sommes des Rasta Messejas, c'est-à-dire on est de commune en commune, de village en village, et on travaille beaucoup pour le monde francophone, parce que tu as remarqué que les gens en France parlent pas trop l'anglais. Pour comprendre le reggae, pour comprendre le message, c'est difficile. Et nous, on fait notre petit travail en français. Alors, je sais que tu retournes en Jamaïque en décembre. Alors, quel projet tu as là-bas ? Alors, quand on part en Jamaïque, en toute humilité, c'est vraiment pour apprendre, continuer dans la culture, toujours, parce que la dancehall, comme le reggae, est une grande culture, à la fois musicale. La Jamaïque, c'est une toute petite île, mais il y a des talents de partout, au niveau musicalité, au niveau danse. Donc, si j'y vais vraiment pour la culture avec mon mari, avec Tristan. Et comme projet, là, c'est vraiment apprendre, se ressourcer, créer, parce que je suis dans le milieu du spectacle. Donc j'ai besoin aussi d'aller là-bas, de partager avec mes frères, que je connais depuis des années, et de revoir et de retravailler avec Tommy Lee Sparta, vraiment. Oui, alors nous, on a vraiment aimé toute cette génération qui est arrivée. Bon, c'est vrai que nous, Papa Mama Rasta, Family, on est de la génération de Steel Pulse, on est de la génération de Sword World, on est de la génération de... Voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a vu toute cette nouvelle génération arriver avec tous ces nouveaux sons, oui, avec ces voix. On a été enchantés, quoi. Ça a été vraiment un grand bonheur pour nous. Carrément, avec l'arrivée de Cartel, à l'époque, Boudjou, qui a amené aussi en dancehall, bien évidemment, Tommy Lee Sparta, Popcan. C'est des artistes exceptionnels. Et alors d'aujourd'hui, Baika, tout ça. Donc il y a vraiment une belle relève de par Sizzla au départ, Capleton, Buntikila, tout ça, qui a formé aussi Cartel. Donc c'est vrai qu'il y a une sacrée génération d'artistes qui nous viennent de là-bas. Alors à Nantes, on a créé la maison des Rasta il y a 40 ans. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes jamaïcains qui, à chaque fois qu'ils venaient faire un petit concert dans la région nantaise, eh bien ils tenaient à passer à la maison des Rasta. Ils nous rendaient visite. Bon, nous, on n'a pas vu tout le monde parce que nous, on est en tournée, on est sur la route. On est vraiment des Rasta Messengers. Tous les week-ends, on est en concert. On envoie le message dans notre population ici en France pour que les gens entendent parler du One Love. Parce que à la télé, à la radio, on nous parle que de la guerre, que du Covid. Mais le One Love, un seul amour pour toute l'humanité, c'est important. Donc nous, on fait notre petit travail. Alors j'espère que ce petit interview arrivera jusqu'en Jamaïque. Et qu'on pourra, ils pourront voir qu'on est là en France et qu'on continue avec nos petits moyens à nous. Hein. Nous, c'est pas des gros moyens pour faire les choses, on y va tout doucement, petit à petit, mais sûrement. Exactement. Et moi, je suis aussi dans le son. Donc j'ai commencé aussi à poser au niveau musical. Tu chantes un peu ? Un petit peu. Et j'ai été repérée, je rappe, moi.
J'ai été repéré par le producteur de Chronix. Alors, question, tu rates en français ou en anglais ? Français. Ah, ça, ça fait plaisir. Ah, là, tu fais plaisir à papa, maman Rasta. Ouais, ben, bien sûr. Mmh. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je lui ferai parvenir vos sons. Oui, bah il va regarder nos émissions tranquille. Bah exactement. Hein. C'est bon, on en a beaucoup. Hein. Et la musique va plus lui parler vu qu'il est anglophone. Alors, etc. Oui, alors si on va parler de la musique, mais c'est justement pour terminer cette interview. En tous les cas, si on a bien compris, tu travailles avec le producteur de Chronix. Tu retournes en décembre en Jamaïque pour une série de chorégraphies parce que tu es chorégraphe et tu as des projets aussi en rap dans le chant sur certaines versions. Exactement, donc j'ai été, si tu veux, moi au départ je suis chorégraphe, mais de par ma plume j'ai été repérée parce que certaines personnes pensaient que j'écrivais bien. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est ma compagnie, mon mari et ma compagnie qui s'appelle NSA, et mon spectacle Amani Shaketo qui est en tournée à partir de septembre, où je retrace l'histoire d'une reine guerrière nubienne, donc africaine, qui a perduré pendant 700 ans, qui s'appelle Amani Shaketo. C'est une histoire vraie, c'est une pharaon noire qui nous vient de Soudan, de Nubie, et je retrace son histoire à travers la dancehall. Ah, c'est génial. Mais alors moi, j'ai envie de parler un peu de ton mari, parce que... Exactement. Ah, bah quand même, je pense que si t'arrives à faire tout ça, c'est parce qu'il est derrière aussi. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Merci, Rasta. On est en pleine interview au Papa Rasta Show, au Lam Home. C'est incroyable, on est dans une vibration extraordinaire. Alors toi, t'es dans la danse aussi. Ouais. Pas de chant, la danse. Non, pas du tout. Alors tu l'accompagnes partout, comme ouais. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Tu découvres toutes ces îles. Depuis 2012, on part en Jamaïque ensemble. Et puis on découvre la Jamaïque, qui est un pays incroyable. Alors comment t'as trouvé les Rastas en Jamaïque ? Est-ce que t'as eu une bonne vibe avec ouais, eux ? Ouais, bah de ouf. Ah ouais. Ouais, la Jamaïque, c'est unique pour ça, le flow et cette bonne humeur et ce truc que tu nous ramènes aussi aujourd'hui. Là, c'est ce qu'on voit en Jamaïque tout le temps, en fait. Ouais, la vivre vibe. Le truc, et c'est pas juste... C'est interprété à fond, quoi. C'est vraiment ça qu'on ressent. Alors, est-ce que tu serais d'accord de faire un... Alors, qu'on se fasse un petit bœuf souvenir, je sais pas, un truc... Mais alors, elle rap. Moi, j'avais prévu Armageddon. Armageddon, c'est peut-être pas un truc pour une rappeuse, hein, quand même. Hein. On va essayer de te trouver un morceau qui peut coller avec... Et moi, je pense que A Millions, c'est pas jamaïcain, je crois pas. C'est une version qu'on aime bien. Je sais pas si tu pourrais essayer de faire quelque chose là-dessus. Écoute-nous ça. Vous êtes au Papa Rasta Show et on interviewait... En Milana, de la compagnie NSA avec mon mari Tristan. Et je tiens à big upper la parenthèse. Mm-hmm. C'est une guest house qu'on a découvert ici, qui est tenue par Rodolphe et Nathalie et qui nous ont super bien accueillis. Et merci à papa, maman et le fils Rasta parce que ça a été vraiment une vibe de fou. Vraiment une belle vibration et plein de bienveillance et de cœur. Merci papa. Merci à vous Amina. Et... Vraiment, ça a été un grand plaisir pour nous de vous interviewer et puis d'être ensemble ce soir, de partager ce moment. Alors on est parti, on vous dit au revoir, c'est le Papa Rasta Show. Vous pouvez applaudir bien fort. Yes, I. Merci. Big up. Oh yes, it's the time. Jamaica is the vibe from Nam City. Rasta man, for shoot away the flow. Oh, yes, it's the time you use the voice. From the Lion Eye, from Nam City. Because it's the big city of the slave. Generation from the rest of your mind.
et ça c'est extraordinaire. Aujourd'hui on a fait l'expérience des vrais frères. Ils sont venus, ils nous ont donné une vraie vibe partagée. Alors oui, aujourd'hui on va seulement contempler l'éternel et lui dire merci de nous vous avoir mis aujourd'hui sur notre route et d'être venu au concert en pure improvisation. Prendre le mic, faire l'interview, et ça c'est du haut niveau. Je te sens très bien derrière le micro, tu as des lyrics. Je te souhaite une bénédiction pour la Jamaïque. Jalove.